Et hey yo tout le monde, c'est Keke Gaming, j'espère que vous êtes tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Play, du coup le troisième épisode de ce Let's Play FR sur Paper Mario Origami King. J'espère que les deux premiers épisodes vous auront plu. Si vous les avez pas vus, pour comprendre un peu ce qui s'est passé les deux derniers épisodes, même si à chaque fois je fais un petit récapitulatif très rapidement. N'hésitez pas à voir les autres épisodes car ils sont sur la chaîne dès à présent. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit. Et le petit pouce bleu, évidemment, comme d'habitude, qui fait toujours plaisir. Donc on est parti, du coup, je récapitule très rapidement. On était dans le. Oula, excusez-moi. On était du coup dans le bois Brouhaha, où on a rencontré le Vénérable avec cette forêt enchantée, entre guillemets, c'est lui qui dit s'il peut passer ou pas passer. Et du coup, on l'a aidé à. Revoir de la splendeur, quoi, renaître un vrai arbre, et du coup, ils dansent, ils font la fête, et donc ça, c'est cool, et on s'en est arrêté là, donc avec ce petit point de sauvegarde que vous voyez juste ici. Donc c'est parti, alors du coup, c'est parti, j'ai fait le plein de confettis, oui, c'est bon, donc on va pouvoir partir pour la suite de cette aventure, si je trouve comment on passe, parce que je ne sais déjà pas comment on passe. Allez, on est parti, j'ai appuyé sur X du coup avec l'aide de notre jolie, notre ravissante, je ne sais plus comment c'est. Olivia. Alors, une partie de la barrière a l'air bancale, non? On dirait qu'elle est sur le point de tomber. D'accord. Ah bah oui, bien vu celle-là. Ah et bah voilà. Voilà. Ok, alors, on va examiner tout de suite cette pancarte, si ça le veut bien. Ouais. Quoi? J'ai aussi quelque chose d'écrit dans mon dos? Franchement, ça m'étonnerait. Ah bah oui, hein, ok. Défense d'entrée, à moins que vous ne vouliez plus jamais rentrer chez vous. C'est vrai que, du coup, voilà. Le message est plutôt clair, hein. Et ouais, j'ai bel et bien été taillé dans une branche du vénérable. Ah, ben voilà, c'est donc pour ça. Donc c'est un message du vénérable qui dit que si vous entrez, à part si vous voulez pas retourner chez vous, vous resterez bloqué dans la forêt toute sa vie. Voilà, c'est ce qu'il nous avait dit dans le dernier épisode qu'on avait vu avec donc le vénérable qu'on avait aidé. Donc là, c'est parti, on continue. Je ne sais pas si on va quitter le bois Brouhaha. Ou si on va continuer avec ce bois. Oula, c'est quoi ça? Tiens. C'est quoi ce truc coincé dans l'herbe? C'est un toad. C'est une tête minuscule avec un énorme chapeau ou une tête affreusement disproportionnée. Je suis un toad. Ah, il y en a remarqué. Enfin, moi, du coup, j'en ai remarqué. Waouh, ça ressemble à un toad. C'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est parce que mon visage est plié en quatre. Aidez-moi. On va t'aider, mon petit. Attends, je prends juste ces confettis là, ici. Voilà. Et là, paf. Voilà. Alors, ça va déjà beaucoup mieux. Ça se voit pas, mais bon, écoute. J'ai juste besoin d'être aplani. Aplani, je crois. Eh bien, on va parler. Tu veux pas plutôt me déplier avant qu'on discute? N'aie pas peur de me frapper, vraiment. Ah, ok. Donc faut le frapper pour le remettre droit. Et voilà, un toad sur pied pour ce début de Let's Play sur l'épisode 3 de Paper Mario Regaling King. J'ai retrouvé toute ma platitude. Youpi! On est heureux. Excusez-moi, brave Toad, mais si c'est pas indiscret, comment vous êtes retrouvé tout chiffonné comme ça? Alors, raconte-nous. Il s'est passé une chose affreuse, absolument effroyable. De drôles d'individus tout pliés sont arrivés et se sont jetés sur nous d'un pas lent ultra déstabilisant. Quand on a enfin compris ce qu'ils faisaient, l'affaire était pliée, si j'ose dire. Je vois ça. Mais pourquoi? C'est toujours les Toads qui prennent, bon sang. C'est de la persécution. Voilà ce que c'est. D'accord. Ça ne fait pas de doute. Les sbires de mon frère sont à l'œuvre. Je sais qu'on a déjà un programme chargé, Mario, mais peut-être qu'on peut aider les Toads qu'on croise en route. Hein, oui? Oui, c'est bien. Tu ne le regrettes pas, d'ailleurs. Laisse-moi prendre un engagement au nom de tous mes semblables. Nous, Toad, de tous horizons, jurons de venir t'encourager lors des combats lorsque tu appuieras sur Y. Ah! Et plus nous serons nombreux à t'encourager, plus tu récolteras le bénéfice. Tu as ma parole. Eh ben, c'est cool ça. Donc, ça veut dire que pendant un combat, si vous en appuyez sur Y, il y aura des Toads dans les tribunes. Parce que c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait des gradins. Donc, c'est à ça que ça sert. Donc, ça, c'est plutôt cool. Par contre, je tiens à préciser qu'on ne le fera pas pour des cacahuètes. Ok, va falloir allonger les pièces. Ce ne serait-ce que
pour couvrir nos soins médicaux en cas de coup dur. Ah oui, tu m'étonnes. Bon. Des encouragements contre des pièces, c'est un malin stud. Mais c'est vrai que dans le feu de l'action, hein, ça doit aider d'avoir le public de son côté. Sauvons tous les tots que nous pouvons, Mario. Comme ça, on aura une foule de supporters, et donc ça, c'est plutôt cool d'avoir une foule de supporters. Je vais juste me refaire vite fait un petit peu en compétitif, parce que je pense que, voilà, c'est ça, on était vraiment pas grand chose. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit camp. On a des camps, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, encore un Toad! Merci Mario, tu sais ce qu'il manque cruellement dans une tente? Des toiles, des toilettes. Je m'étonne. Bon, bah c'est cool, du coup on a des Toads. Donc, du coup, on répète, on a des Toads à libérer un peu aux quatre coins du monde, j'ai envie de dire, mais du coup c'est du royaume champignon. Et ça c'est plutôt cool. Allez, on va ouvrir parce qu'on a aussi un truc là. Oh, nice! Plein de confettis, mais bon, comme du coup je suis plein. Qu'est-ce que je fais ici? Parce qu'il y a un haut-parleur. Si je fais ça, ben voilà, ça fait tomber. C'est ce que je voulais. Hein, de toute façon. Ah, c'est la musique! Ok. Vas-y, allez. On va se battre juste pour voir si les Toads arriveront bien. Si on fait un petit Y. Oh, bah, ils sont déjà là! Ah oui, donc en fait, ils sont là. Mais d'accord, question okay, de. Ah, ok, d'accord. Donc là, par contre, il n'y a plus de notice. Alors, c'est parti. Il va falloir être intelligent. Déplacement 1, par contre, ça, c'est chaud. Ah oui, d'accord. Mais ils sont beaucoup trop nombreux. On n'arrivera jamais à tous les toucher en une seule attaque. Merci. On va se faire ratatiner avant même que notre aventure ait vraiment commencé. Ce ne serait pas juste. Action 2. Mario utilise ton objet. Oh, Mario, regarde la sélection action. Ça veut dire peut-être que... Ça veut peut-être dire qu'on aura droit à deux attaques par tour cette fois. On peut espérer. Le seul moyen de le savoir, c'est de lancer ta première attaque. Ça, c'est... Sur, on va directement utiliser la botte avec en essayant de faire un excellent pour ce premier combat dans ce let's play. Excellent, excellent. Ah, c'est des super. Voilà, c'est pas foufou. Et voilà. Et donc la deuxième action qui va donc entrer en jeu. Hurrah, j'aurai l'action. Non, ok. Choisis ta deuxième attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? Si j'utilise ma botte ici, ça fait les deux. Et ici, pareil. On va faire ceux-là parce que ceux-là sont déjà alignés. Ça sera moins chiant à faire. Hop. Attention. Alors, c'est bien. C'est pas ouf ce que je fais, mais c'est pas mal. Wow. Si tu as deux actions à ta disposition, presque plus rien ne pourra t'arrêter, Mario. Avec un bon placement des ennemis et plusieurs attaques, il doit y avoir un moyen de frapper tous les ennemis en un tour. Vérifie toujours les actions qui te restent. Ok, tour de l'ennemi. On se rappelle, normalement, il faut appuyer sur A. C'est ça, pour se prendre moins de dégâts. Et quand vous regardez, on s'est pas pris beaucoup de. Et on peut pas pouvoir les enchaîner avec une petite botte. C'est parti. Attention. Paf, paf. Et paf. Et les trois excellents. C'est parfait. Combat terminé. Et nous avons gagné, évidemment. Et ça nous fait un total de 120 pièces. C'est nice. On a quand même 2880 pièces. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal du tout avec beaucoup de confettis. Ah, on va reboucher ça. Comme ça, on va pouvoir chercher le petit cube là-bas. Ah, là, j'ai encore plein de trucs à reboucher. Allez, on rebouche, on rebouche, on rebouche. Sauf que moi je suis généreux hein, sur les confettis, moi j'en ai pas qu'un petit peu. J'en mets. Hein. Alors attends, hop. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? 1000 pièces. Ok, pas mal. Est-ce qu'on peut pas se refaire des confettis avec ça? Je vais juste me refaire un petit peu de confettis. Façon, s'il y a un truc et tout. Oh, c'est super stylé, attendez. Attendez, écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien qu'on va repasser, ça va être super stylé. Est-ce que c'est pas un peu stylé quand même? Moi je trouve ça stylé, moi je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé, mais bon après moi, je trouve tout stylé. Alors, allez, qu'est-ce qui se passe? Ah, enfin un moment de repos. Ah, quand ça fait ça, je récupère 50 de vie. Super! Tiens, mais dis-moi Mario, cette petite pose te ragaillardit. On dirait, ça fait plaisir à voir. Tu sais, je ne pourrais jamais faire face à ces oreillards tout seul. Je ne peux pas me passer de toi. Bah tu m'étonnes, c'est moi qui fais tout. Alors attention, t'as bien la forme, ok? Si tu vois un banc, n'hésite pas à en profiter et t'asseoir un moment. Ok, donc les bancs, ça va se régénérer pour donc se reposer un petit peu pour reprendre de la vie, tout simplement. Tout simplement. Ok, bon, c'est des trucs qu'on apprend. C'est sympa. Tiens, il y a un petit Toad là, je vais juste recouvrir ce petit trou là et on va aller chercher le petit Toad après juste les pièces. Et cette pièce là. Bon, viens, on ira chercher ça après. Le Toad, paf, il est là. Ah, il faut tirer. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, paf. Et voilà.
Oh, merci. Je ne sais pas pourquoi je tenais tellement à continuer à couper du bois. J'en ai bien assez. Tu m'étonnes. Par contre, t'es pas sur toi. T'es pas super bon, mec. T'es pas super. Ouais, pas super plié, on s'en fout, un petit peu. Ok. Est-ce qu'on va. En vrai, ouais, on va faire les deux qu'il y a. Et on va continuer pour cette aventure. À mon avis, ils vont pas rester comme ça. C'est ce que je me disais. Quoi qu'ils sont pas bougés de beaucoup. Est-ce que j'ai deux déplacements? Oui, deux déplacements. Alors, on va faire ça. Comme ça. Et ça, paf, voilà. Oh, la disposition parfaite, quoi. Avec la petite botte, attention, c'est parti. On va essayer de faire des excellents, attention. Et voilà que le tour est joué. Allez, la deuxième action. Et bah, dis donc, on va faire ça en une fois. Hein. C'est pas mal, du coup, on va perdre aucun point de vie. Et ça, c'est cool. Allez, il y a des têtes dans les tribunes, j'adore. J'adore, c'est trop bien jeu. Allez, ah, 265 pièces qui nous fait un total de 4217 pièces. C'est largement suffisant. Et on va voir se mettre plein de confettis. Je vais rabasser les petites pièces ici. Un tas juste ici. Est-ce qu'on peut aller le sauver? Hop, tirer, on tire. Paf, encore un tas de libéré. Ah, merci, je me sens enfin à l'endroit. Enfin, je crois. Ok, pas mal. Il y a un trou ici, on va le reboucher. Est-ce qu'on fait l'autre Goomba? En vrai, j'ai pas envie de faire le Goomba. On va tracer. Par contre, on va prendre des toads. Ça, par contre, les toads, il va falloir les prendre. Et vous voyez, il y a beaucoup de toads. Hein. Il n'y a que de ça. Et donc après, bah, c'est cool. J'attendais un coup de main et j'ai eu le droit à un coup de marteau. Ouais. T'as vraiment plein de surprises. Je sais. Même moi, des fois, je me surprends. Oh, une petite maison. On va encore pouvoir rentrer dedans. Oh, on va pouvoir examiner la maison. Oh. C'est à quel sujet? Le toad qui vit ici est parti depuis un bon bout de temps. J'imagine qu'il a dû aller très loin. Ah, oui. Ok, d'accord. Donc on peut pas rentrer dans la maison. Ça aurait été stylé. Et en vrai, je pense qu'on, mais je crois qu'on peut rentrer dans certaines maisons. Mais pas tout ça pour faire rigolo. Oh ouais! Attendez, est-ce que ça fait quelque chose si on tape dessus du coup? Eh bah ouais, regarde donc, c'est un toad. Je suis trop fort. Tout le monde a trouvé ça. Tout ce que je vous pouvais, oh là, tout ce que je pouvais faire dans cet état, c'était fleurir sur mon sort. Et du coup, c'est lui qui habite ici. On peut pas lui parler. Je me fleuris tout seul. D'accord, ok, ça doit pas être. Bon, encore un tas d'ici. Non, il y a des toads partout. C'est un truc de ouf. Il y a vraiment des toads partout. C'est un truc. Personne m'avoir sorti de là. C'était si serré que je sais pas si je pourrais retrouver ma forme d'origine. Allez, on va refaire le plein de confettis. Et voilà, le tour est presque joué. On va aller reboucher ce trou là. Ah ben on va même reboucher tout parce qu'au final c'est un truc qui a c'est carrément voilà. Alors ah oui je peux aller dessus. Alors attendez, on va aller chercher en espérant que les pièces se barrent pas. Parce que les pièces peuvent s'en aller je pense si on met trop de temps. Paf, on va pouvoir aller chercher le petit cube juste ici. Hop, et les 100 pièces, on va pouvoir monter juste ici. C'est super bien fait, j'adore. Ah, on a un petit truc là, si on peut pas, ok. Par contre j'ai vraiment plus de. J'ai plus de confetti. En vrai, au lieu de casser des petits trucs comme ça, je vais attendre qu'il y ait un arbre. Et je vais carrément casser un arbre. Sympa, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Voilà, excusez-moi. Parc à grillade des toads. Promis, toutes nos bûches sont ici de leur plein gré. Mais c'est super stylé! C'est rigolo, mais c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait, j'adore. J'adore. J'adore le jeu. Moi, j'adore le jeu pour le moment. Hein. Je pense que quand on aura fini tous les displays et tout, je vais vous faire un avis complet, mais pour le moment j'aime beaucoup. Pour le moment j'aime beaucoup. Après j'entendais dire certains que le jeu aimait beaucoup et tout, mais les boss étaient grave durs et grave chiant à battre. On n'en a pas encore eu, donc bah, j'ai hâte d'avoir un boss pour savoir si c'est si chiant que ça comme ils disent. Et on va lire. Ah oui, du coup il y avait écrit Toadville, donc on va retourner vers Toadville. Peut-être, ça serait stylé parce que on y a été, mais voilà. Ah, la petite sauvegarde qui fait plaisir. On va pas s'arrêter là, voilà, un quart d'heure de série, n'importe quoi. Enfin, si c'est une petite série, voilà, c'est une petite série sur la chaîne, c'est sympatoche, mais ça reste quand même un épisode. Ça reste quand même un épisode. Allez, Toadville, on est revenu donc à Toadville avec le plein de confettis. On va reboucher les petits trous ici. Alors, bien sûr, on revient à Toadville, mais je pense qu'on va découvrir d'autres mondes. Hein. Pour le moment, on a vraiment fait que. Alerte, papier non traité. Ah, c'est trop stylé. Ça va être vite plié.
T'inquiète pas, mon pote. Je suis chaud là. Combat par vague en plus. C'est parfait, t'inquiète pas. Allez, avec les petits Goombas qui passent devant nous, c'est super stylé, j'adore ça. Allez, c'est parti pour le troisième ou quatrième combat déjà de ce. Ce super. Regarde, encore de pauvres petits Goombas, ça va être du gâteau. Mets-les en ligne et éliminez une traite avec une attaque sautée. Oui. Attends, il y a quelque chose qui cloche, on dirait. Peu importe l'anneau que tu feras pivoter, il n'y a pas moyen de faire revenir ce Goomba dans la ligne. Wow, j'en ai le tourné. Arrêtons de faire tourner ces anneaux et réfléchissons à un bon coup. Maintenant que j'y pense, je crois qu'il y a une autre façon de déplacer les ennemis. Dis-nous tout et réfléchis bien, c'est parti. Ah, je l'ai sur le bout de la langue, c'est glousse, couler. C'est glousser, couler, glisser. Oula, ça veut dire quoi ça? Oh, ça me revient. Coulisser. Ah, ok, d'accord. Tu peux faire pivoter les anneaux, mais aussi faire coulisser des cases de long dans les annexes d'arène. Appuie tout d'abord sur Z, sur L ou R pour passer du mode pivoter au mode coulisser. Ok. Ah, ok, du coup, on va pouvoir faire... C'est super stylé. J'ai même pas besoin de dire que c'est trop stylé. C'est trop stylé, j'ai tout compris. Allez, hop. Ça veut dire que du coup, tu fais ça. Non. Ouais. Ah mais ça veut pas. Ça veut pas. Ah mais elle, non. Ça veut pas. Ils ne sont pas encore alignés correctement. On essaie à nouveau de les faire coulisser sur les cases. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à le faire vraiment. Appuie tout d'abord sur L et R pour passer au mode du pivoté. Non, non, ok, d'accord. Très bien, comme tu le vois, la zone que tu contrôles n'est à présent plus un des anneaux, mais un des axes. Sélectionne avec L l'axe. Ah, ok, c'est parce qu'il faut que sélectionner. Et à présent, après, du coup, tu peux faire... Okay. Parce que moi, en fait, j'essaie directement de faire ça. Ok, c'est pas ça. Ok, j'avais pas compris. Du coup, c'est comme ça. Paf, voilà. Ok, c'était super simple. Excusez-moi. Voilà, maintenant, ils sont tous bien alignés, bien disposés en ligne. Parce qu'il faut lire, il faut vraiment lire. Allez, avec la petite attaque de bot, c'est parti. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. Et la première vague qui est passée avec succès. Allez, la dernière vague qui est donc la deuxième. On va voir dans quel, comment ils sont disposés. Ok, ça va être assez facile. Ça va même être très 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 facile. Vu que du coup, on a compris qu'on n'a même plus besoin de lire ce que nous dit notre chère Olivia. Paf, et voilà. C'est comme ça roule comme des... C'est fait comme si c'était sur des roulettes, enfin ça roule, enfin ça marche quoi, ok, d'accord, ça marche. Allez, voilà, c'est parfait, deux super et deux excellents, c'est parfait, et ça va nous faire un total de pièces, 530 pièces, avec un total donc de 5160 pièces. Oh, ça est devenu des papiers, trop stylé. On est sauvés, mais qu'est-ce qui leur a pris à ces Goombas de nous kidnapper, et où c'est qu'ils voulaient nous emmener d'abord. Je suis même pas sûr que c'était des Goombas en fait. Ils avaient pas l'air net avec leurs coins partout. Quand même, en tant que sbeur de Bower, ça fiche un drôle de coup d'être sauvé par Mario. Mais on est tout à fait du même papier en fin de compte. Faut qu'on se serre les coudes. Ah, c'est beau ça. Allez les copains, on remplit en avant-marche. Mais en vrai, c'est super stylé, c'est drôle. Mais en fait, c'est bizarre parce que tout à l'heure, quand on a battu depuis le début de Let's Play combat des oreilles guerriers, ça devient des confettis. Et en final, c'est bizarre que là, ils deviennent des papiers. Enfin, j'ai pas tout compris pourquoi, mais c'est pas grave. On dirait que mon frère est bien décidé à appliquer toutes les créatures qui tombent sous la main pour se faire une armée d'oreilles guerriers. Au Rimt, où ça va, ils ont rapidement sbermé, comment ça écrit ça? Submerger le monde entier. Excusez-moi, je... C'est les vacances, quoi. On n'a pas besoin de lire normalement, quoi. C'est fou, ça, c'est... C'est qu'un petit trou, il m'a fait peur. Allez, un petit trou, c'est parfait. Hop, on va faire un petit peu de confetti. Voilà, un petit peu de confetti. Voilà, ça fait un petit peu de confetti. Tout le monde est content, c'est parfait. Et ben, on voit toi de ville au loin. Et ça, c'est beau. C'est beau. Il va y avoir un petit trou là. On va pouvoir faire ça comme ça. Paf, avec le petit truc juste ici. Si ça fait bien, paf, on recouvre. Allez, une petite deuxième. Et c'est parfait. C'est recouvert. On va prendre les pièces et le petit cube qui va nous faire 100 petites pièces. Oh là, j'ai cru qu'il y avait un trou. J'ai eu peur. Allez, paf, on va pouvoir retrouver, le reboucher également ce trou là.
Ah là, par contre, j'en mets trop en fait des confettis, quoi. Je suis grave généreux sur les confettis, c'est un truc de ouf. Allez. Allez, les petites fleurs, les petits machins, les petits trucs. On va arriver à toi de vite. J'espère juste que le sac va être plein. Parce qu'à mon avis, il va y avoir plein de trous à reboucher dedans et tout. Ça va être long. Rien que là. Rien que là. J'ai fait 2 pas, hein. J'ai fait 2 pas, j'avais dit ça, j'ai fait 2 pas. Hein. Bah voilà. Bon, on a quand même un total de 5321 21 pièces. Et on arrive donc à Toad. Ville qui est toujours vide. Par contre, c'est chiant, ça, c'est triste. C'est calme. On dirait qu'il n'y a personne. Bien vu. Oh, regarde ce trou géant. Ça veut dire que mon frère est déjà venu semer la pagaille ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais si, attends. On dirait qu'il reste quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? J'hallucine. Ce truc est bien plus grand que la normale. J'avais encore jamais vu un origami pareil. Et il essaye de rentrer dans cette maison ou quoi? Qu'est-ce qu'il y fait? Mais il mange! Bah c'est. Il s'est mis des confettis partout, c'est répugnant. Peut-être que ces machins machos ont fait tous les trous qu'on a vus. Quelle bande de gloutons. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est pas possible de vivre dans un monde de gloutons. C'est pas possible. C'est inadmissible. Oh, sur le dos de ce monstre, un autocollant avec le sceau officiel de mon frère. Ah ouais, carrément, quoi. Quoi, le mec sur ses beurs a mis son tampon, quoi. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui les anime d'une manière ou d'une autre? Parce qu'alors, cet autocollant est peut-être une sorte de point faible. Et peut-être que si tu tapes dessus, il va affaiblir ce gros vilain. Comme ça, tu pourras l'avoir. Allez, on va essayer ça de suite. Espérons qu'il ne nous voie pas. Oui, ça a l'air de marcher. Oi, 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 oi. Ah ok, en fait, faut lui taper dessus. Faut lui taper dessus et pas se prendre lui. Ok. Et voilà, c'est fait. Allez, c'est dégage. Bravo, tu as réussi. C'était bien ça. L'autocollant de mon frère et le point faible de ce guerrier macho. Il faudra garder ça à l'esprit. Bon, on en était où déjà? J'ai perdu le fil avec cette histoire. Ah oui, on cherchait à atteindre l'endroit où se trouvait le château. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, le château qui se trouve juste là-bas, l'entrée du château est juste là. Autant aller voir ça de plus près. Allez, garde ton marteau à proximité, des fois qu'on tomberait sur un autre de ces gros goinfres. Est-ce qu'on peut pas ramasser tout ça? Bien sûr que si, on peut ramasser tout ça, regardez donc. Par contre, ça fait masse confetti, hein. Je sais pas combien ça fait confetti en tout. Déjà, on va reboucher cette maison-là. Voilà. On peut l'ouvrir, c'est trop sûr. On rentre dans une maison. À toi, Advil. Oh, c'est. En vrai, c'est petit. Mais c'est stylé. C'est petit, mais. En vrai, c'est grave petit, mais c'est gracieux. En vrai, c'est bien fait, ça, je trouve, tu vois, que. On peut ouvrir, vraiment. Ok. Bon. Ok. On va arrêter de faire mumuse. On va continuer cette petite histoire. Tranquillement, qui va sûrement se terminer dans très peu de temps, dans très 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 peu de temps. Allez, hop. Allez, on recouvre ça. Je vais prendre le sauvegarde. Bon. Je vais prendre le sauvegarde. Ça va être la fin de ce troisième let's play sur Paper Origami. Sur Paper the Origami King. On a fait pas mal de trucs. On a fait quand même pas mal de trucs. Je vais donc du coup prendre ce petit sauvegarde. Allez, on s'arrête là-dessus pour ce troisième, excusez-moi, let's play sur Paper Mario The Origami King. Et on se retrouve très 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 prochainement pour l'épisode 4 ou pour un autre épisode ou pour une news ou pour un live ou pour quoi que je sois ou peut-être pour un Nintendo Direct ou un State of the Play ou un Xbox Live de je sais pas quoi ou un truc. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Et si vous n'avez pas regardé les autres épisodes, bah, ils sont sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, toutes mes vidéos sont sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous n'êtes pas abonné. Bah, si vous êtes abonné, bah, si vous n'avez pas vu l'open des vidéos, allez voir. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous parce qu'on fait, là, on va faire l'intégralité de ce let's play tous ensemble. On a également un let's play qui est en train en même temps, mais ça on le recontinuera plus tard si on a un peu plus de temps. Pour le moment, je laisse vraiment de côté. C'est sur Rise of the Tomb Raider. Pour le moment, je laisse vraiment de côté.
Voilà, parce qu'il m'intéresse plus, enfin c'est pas qu'il m'intéresse plus, mais bon là on est sur Paper Mario, on va se concentrer sur Paper Mario, on verra ça après, si on a plus de temps on pourra le finir, mais pour le moment on ne va pas le finir, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas encore fait comme je viens de vous le dire, la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, et on se retrouve très très prochainement, c'était Kiki Gaming, peace!